Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo combo de skins. Donc, 10 combos de skins plus précisément. Go, le premier combo de skins. Donc, ça va consister à prendre. C'est un skin de l'ancien pass de combat. Ce skin là, Lynx, en rouge. Bon, après il y en a qui le préfèrent sous différents styles. Sous celui-ci. Celui-ci, ça marche tous. Moi j'aime bien celui-ci, je trouve que ça fait du jeune, tout ça. Ça va consister à prendre. Bon, désolé pour ceux qui n'ont pas ça, je vais essayer de faire pas mal de skins de combat. Donc, le bouclier de la chevaleresse rouge. En pioche. Alors, ceux qui sont ceux qui ont la pioche de la chevaleresse rouge, allez-y. Moi je vous propose soit la pioche de Méga. Ou soit la pioche du roi des glaces en rouge. Après en planeur, oups, j'ai même pas mis. Moi je préfère personnellement Omega. Je trouve que ça fait plus rouge. En planeur, on va mettre planeur ombrelle. Donc c'est ce qu'on fait Topin la saison 3 qui l'ont eu. On va mettre entraîner, la traînée laser. Voilà, erreur système. Donc hop, 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 hop et hop. Pour le deuxième combo de skin, on va se retrouver avec la scorpion avec le sac à dos du Magnus, donc Cap Tenace. En pioche, on va mettre le Ventouse Ninja. Après, en sac à dos, on va mettre celui-ci, le Nankoke. On peut... Ça dépend, je vous laisse le choix, il faut du sac à dos, je vous laisse le choix. Après, entraîner, on va mettre la Retro Futuriste. On va se retrouver avec un autre combo du genre. Donc ça va être la banane. Troisième combo donc. Le sac à dos, j'ai pas vraiment de sac à dos jaune, même si celui-là passe. En pioche, on va mettre la chanceuse. Voilà. En planeur, cylindré. Et entraîner. Soit celle-ci. Soit celle-ci. Je vous laisse le choix. Quatrième combo de skin. Attends, je m'ouvre la tête. On va se retrouver pour... Oh. Alors vous avez différents combos là dans celui-là. Bon, je vais en mettre deux en même temps. On a le cobalt, le feu, celui-ci on va dire, avec les ailes glaciaires du pack, la pioche clinquante, le planeur silage bleu et la traînée. Glitch, quoique la traînée rune, pardon. Sixième combo, c'est donc avec Trog. Mince, aperçu les styles. On va mettre donc le premier style. Hein. Hop, le bouclier de la chevaleresse rouge, le glaciaire, et toujours la même suite. Septième combo, ça va être pareil. Mais on va donc prendre ce skin-ci. Hop, le skin du PS Plus. Et pour ceux qui ne l'ont pas, je peux vous faire aussi avec ce skin-là. Où est-il? Attendez. C'est un skin du pass de combat. Ah, voilà, je l'ai vu. Voilà. Grenouillère. Ou aussi avec ce skin-là, ceux qui l'ont en PS Plus. Donc, septième combo, on va se retrouver pour la Valora. Le bouclier de la chevaleresse rouge. Toujours la même pioche, Omega, et la suite. Ouais. Huitième combo de skin. Donc, c'est donc le soldat laineux avec la pioche Omega et tout à l'heure, comme je vous ai montré.
Donc l'avant-dernier combo, le 9e combo, on va se retrouver avec le skin loup-garou en rouge. Et au niveau maximum, parce que voilà. Quoique, attendez, hop, comme ça, avec toujours la suite Oméga. Et pour le dernier combo, on va se retrouver avec la Fulgura, un combo que j'aime beaucoup, les ailes de la solaire et mince et on pioche. Je vous laisse le jouer, il n'y en a pas vraiment beaucoup, il risque d'en avoir peut-être le bâton luisant. Voilà, ça je vous laisse le choix. En planeur, le burger. Et dernière à entraîner, le lanterne. Donc voilà les gars. Ciao, c'était la vidéo. Likez, abonnez-vous. Et puis...